comment attraper quelque chose sans se servir de ses mains? Avec la gueule. Observe bien, Bagheera. Mais il va forcément l'écrabouiller avec ses dents. Tu crois ça? Waouh, il n'y a pas une trace de dents. À moi. Je sens qu'on va bien s'amuser. Attention, tu es prête? Ouais, vas-y. Lâche-moi! Où est Kar? Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'en sais rien, c'est vrai, quoi! C'est ton ami, pourtant. Et alors? Qu'est-ce que vous lui voulez, exactement? Ce maudit serpent est venu chez nous et a mangé un de nos bébés. Kar ne ferait jamais ça! Jamais! Tu mens pour le protéger! Non, je vous assure, je ne sais pas où il est! Bon, ça suffit maintenant, allez-vous-en! Très bien! Quand vous le verrez, vous avez intérêt à nous faire signe! N'essayez pas de l'aider ou vous le regretterez! Je vous garantis que quand on lui mettra la main dessus... Vous croyez vraiment que Kar a mangé le bébé singe? Il est capable de tout avaler quand il a faim. Il n'y a qu'une seule façon d'en être certain. Le trouver avant les singes. Et vite! Nous ne sommes que trois et les singes sont très nombreux. Hé, hey, t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Hein? Est-ce que tu vois quelque chose, Darzi? Oui, par ici. Darzi, que cherche-t-on déjà? Kar, bien sûr. Oh, vous avez vu comme ces fleurs sont belles? Je t'en prie, il faut absolument qu'on trouve Kar avant que les singes ne l'attrapent. Mais on l'a trouvé, il est là-bas. Vous ne voulez vraiment pas sentir ces belles fleurs? Darzi. Franchement, les fleurs étaient plus jolies que ce piton. Surtout, elles faisaient moins de bruit. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais c'est la taille d'un bébé singe. Oh, il y a plein d'animaux de cette taille, Bagheera. Ce n'est pas une preuve pour accuser Kar. Tu as tout à fait raison, Mowgli. Et pour en être sûr, nous allons le lui demander. Kar. Kar, réveille-toi. Il faut qu'on te demande un truc. Il dort toujours comme une souche après avoir mangé. Manger du singe. Bagheera. Peut-être que, en cherchant un peu, on pourrait retrouver ce bébé singe et prouver qu'il ne l'a pas mangé. Bonne idée. Vas-y avec Bagheera. Moi, je vais monter la garde avec Darzi. Nous allons protéger Kar. Faites aussi vite que vous le pouvez, d'accord? Si les singes découvrent qu'on a essayé de l'aider, on va avoir de gros ennuis. Oui, t'inquiète pas. Allons-y, Bagheera. Oh, oh là là, oh là là! Les singes arrivent, ils arrivent! C'est pas moi, c'est mon ventre. Dis-lui de se taire. Mais j'ai très faim. Contrairement à Kar, je n'ai pas mangé ce matin. Balou, dis à ton ventre de se taire, ou les singes vont t'entendre. Oh, un cocotier. Parfait. D'un bébé singe. Ça y est, le voilà. Oh, il est coincé dans les lianes. Tu vois, j'avais raison. Kar n'a rien fait. Non, pas si vite, Mowgli.
le sortir de là. J'ai un plan. Tu es sûr que ça peut marcher? Oui, laisse-moi faire. Délicieux. Si t'étais un oiseau, tu pourrais plus voler. Balou, Tas se réveille, vite. Les singes vont entendre, vite, Balou. Vous n'êtes que des traîtres. Eh bien, oui et non. Nous ne sommes même pas sûrs que K a mangé le... Et ça, c'est quoi? Je suis sûr qu'il a mangé notre bébé. Mais dépêche-toi, Mowgli. Un buffle, ça vaut bien une centaine de bébés singes. Ah non, désolé, mais j'ai repéré ce buffle avant toi, alors va-t'en. N'approche pas. S'il y a un buffle à manger, il est pour moi. Des fleurs d'Arzy. Arrêtez! Je crois que ce bébé singe est à vous. Le voilà! Il est vivant! Si. J'étais en train de faire ma sieste. Oh, j'ai un mal de ventre. Ka, peut-être pourrais-tu nous dire ce que tu as mangé? On croyait que c'était un singe. Les serpents sont vraiment dégoûtants. Je te l'avais dit que c'était pas lui. Il est plus gentil qu'il en a l'air. Mais comment as-tu fait pour avaler ce morceau de bois? C'est une erreur qui ne se reproduira plus. Je ne mangerai plus de petits singes. C'est rapide, ces petites bêtes. Je me sens beaucoup mieux. Et j'ai d'ailleurs un petit creux. Je vous laisse. Je devrais peut-être réessayer de l'attraper. Un petit. Vous voyez, on ne peut pas faire confiance à un serpent. En parlant petit creux... On va voir qui est le meilleur. Commence, Mowgli. Bien joué, Mowgli. Et t'as, quel beau lancer. Pas mal du tout, hein, Hati? Oui, elles sont vraiment délicieuses. C'est ton tour, Apu.
Je suis sûre que tu feras pas mieux que moi. Désolé, papa, je l'ai pas fait exprès. Apou, tu aurais pu faire attention. Maintenant, allez jouer ailleurs. Oust, du balai. Ça vous dirait de jouer à un autre jeu? Pourquoi pas une partie de cache-cache dans le temple? Ita, surveille ton frère, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'il fasse de bêtises là-bas. C'est parti, Apou. C'est toi qui comptes. Pourquoi moi? Parce que tu sais pas bien te cacher, Mowgli et moi, on te trouverait trop vite. C'est pas vrai. Oh, allez, Ita, laisse-le essayer au moins. Vas-y, tu comptes et moi je me cache. Et tu vas voir qui va gagner. D'accord, on commence. On va vite savoir qui est le meilleur à cache-cache. Vous êtes prêts? Oh, et pas le droit de sortir du temple, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ils me trouveront jamais. 49, 50. Vous êtes bien cachés? Je vais vous trouver. Trouvé! Comment t'as fait? Je t'ai dit que j'étais la meilleure à ce jeu. Regarde-toi, t'es tout blanc. Apou aussi, je vais vite le trouver. Et je vais gagner la partie. Cherché partout, moi aussi. Il est pas là. Il a dû se cacher quelque part dans la jungle. Oh, on avait dit qu'on devait pas sortir du temple. C'est de la triche. Alors c'est moi qui gagne. Peut-être, mais maintenant il est tout seul dans la jungle. Il faut qu'on le retrouve. Apou! 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 La partie est finie, Apou! Il s'est peut-être perdu. Il va bientôt faire nuit. J'arriverai peut-être à le voir en grimpant dans l'arbre. Apou! Apou! On dirait que l'un des petits éléphants s'est perdu dans la jungle. Apou! Apou! Il y a un problème? Tu veux que je t'aide? Oui, s'il te plaît. Tabaki? Ita, ne lui dis pas un mot! Oh, Mowgli! Le pauvre petit éléphant, quand je pense qu'il est tout seul et perdu dans la jungle, je suis sûre que je peux vous aider à le trouver. Ne t'inquiète pas, Mowgli, il va nous aider. Apou est perdu dans la jungle, tout seul. Et Tabaki est au courant. En plus, je suis sûre qu'il va le dire à Shere Khan. Je suis désolée. Le petit éléphant, tu dis. C'est une information intéressante. Je te laisserai peut-être mes restes, chacal. Ne t'avise pas de me suivre. Je m'en sortirai mieux sans toi. Oh, je vais avoir des restes d'éléphant. Oh, la journée va être bonne. Tu te fais vieux, Ati. Tu devrais te reposer. Moi, pendant ce temps-là, je trouverai ton fils. C'était Shere Khan? Malheureusement, oui. Et je vais l'aplatir comme une crêpe s'il croise à nouveau mon chemin. Je crois que j'ai une idée. On va détourner l'attention de Shere Khan. Ita, viens avec moi.
Faites-nous confiance. Et si vous entendez Ita appeler, surtout, ignorez-la. Ça fait partie de mon plan. Oh. On y est presque. Stop. Et ne bouge plus. Maintenant, recule en marchant dans tes traces de pas. Ça devrait occuper Shere Khan un petit moment. Et comme ça, on aura le temps de trouver Apu. Ce stupide petit éléphant appelle à l'aide. Il ne sait pas ce qu'il attend. Comment a-t-il fait pour ne pas casser ce tronc? Pas bien. S'il a pu traverser, je le peux aussi. On a réussi, Ita, ouais! Oh. Oh, tu me le feras très cher, petit homme! Apu! Apu! Où est donc passé ce petit garlement? Hein? Apu! C'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On finit de camoufler le piège. Incroyable! On ne peut plus se reposer dans les hautes herbes sans être dérangé de nos jours. Maintenant, je sais de qui Apu tient son côté étourdi, tel père, tel fils. Tu as raison. J'étais comme lui quand j'avais son âge. Tu es sûr que ça a vraiment changé? Moi, non. C'est maintenant que je sonne de la... Pas la peine, puisque je suis déjà là. Je suis censé marcher là-dessus. Je préfère éviter, mais c'est drôlement bien essayé. Je commence par toi. Garçon ou fille, peu importe. Du moment qu'il y a de l'éléphant au menu. Qui ose me jeter des pierres sur le... Qui est là? Sors tout de suite. Oh non. Qui a fait ça? Je crois que ça venait de ces buissons. Viens, on va voir. Tabaki! Viens ici tout de suite. Enfin, le dîner est servi. Tabaki! J'arrive! Ita, j'ai trouvé! Ça y est, je sais où se cache Apu! Shere Khan, où êtes-vous? Je vais t'attraper! Viens ici! Par la queue! Tu vas voir! Venir ici. On a cherché partout, il n'est pas là. Je vais vous présenter celui qui nous a sauvés des griffes de Shere Khan. On n'a pas le temps pour ça. Il faut qu'on retrouve Apu. Mais il est ici au temple, tout à l'heure. C'est Apu qui nous a sauvés. Tu crois qu'il a jeté ses pierres? Mais tu l'as vu tout à l'heure. Il s'est pas du tout visé. Bah maintenant je sais. Apu. Et en plus, t'as trouvé la meilleure des cachettes. On t'aime tellement, mon petit. Mais comment tu as su qu'on était en danger? Je vous suis depuis le début, mais vous étiez occupé à me chercher et vous n'avez rien remarqué. C'est toi qui as gagné, Apu. Et surtout, tu as tenu tête à Shere Khan. Je suis fier de toi, mon fils. Comme je disais, tel père, tel fils. Dois-je comprendre que tu t'es volontairement jeté dans ce piège? C'était le seul moyen d'échapper à cette furie d'éléphant en colère, vous savez. Et tu peux me dire qui va nous sortir de là maintenant qu'on est tous les deux dans le trou?